Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Green Hill Memories. Donc avec la Bilanu qui est venue pour nous présenter. On en avait parlé, je crois, hein, pendant la on fin. On en avait parlé, ouais. On avait dit qu'on ferait peut-être une petite vidéo pour évoquer ce pavé. Regardez-moi ça. C'est écrit tout petit en plus, hein. C'est voilà, même avec les lunettes, c'est pas évident. Donc on va vous parler de ce livre qui est sorti il y a quelques semaines. Quelques mois plutôt. Quelques mois même. Oui, quelques mois, ouais. Ah ouais, au moment où ils verront la vidéo, ouais, ça fera quelques ouais, là, mois, ça c'est sûr. Même quelques années à ce moment-là. Donc, de Nankatsu à Barcelone, 40 ans de Captain Tsubasa. Donc c'est un livre qui est proposé aux éditions Côté Gamers, on en a déjà parlé. Alors on sait que nos détracteurs vont encore dire oui, on fait de la pub pour Côté Gamers, oui, tout ça, machin. Et puis on Alors, est payé évidemment. Oui, on est payé. Alors on a pris un chèque de ouf. Avec plein de zéros, mais derrière la virgule. Enfin, en plus, tu m'en as parlé hors vidéo, hors caméra, où tu me disais justement faire des vidéos, ça a aucun impact sur les ventes. Oui, ça a c'est pas. Juste, je vais pas dire aucun impact. Il y en a quelques-uns qui sont intéressés et qui achètent, mais c'est pas. Enfin, si t'en as une dizaine, c'est vraiment le maximum à mon avis. Quoi. Bah, et si on fait découvrir le bouquin à 10 personnes grâce à cette vidéo. Eh ben c'est cool. Moi je signe tout de suite. Bah franchement c'est cool. Donc il est disponible aux éditions Côté Gamers. Peut-être on mettra le lien vers la fiche produit dans le descriptif de la vidéo. Il est vendu entre 15 et 20, c'est ça? Alors celui-là, oui, ça doit être 20 ou 25 euros. Ouais, voilà. Exactement. Autour de 20 euros. Bah oui, parce que pour une fois, il n'y a qu'un seul tome. Donc et oui, c'est moins cher. C'est un peu moins cher. Et c'est un sacré pavé. Alors, je vais pas faire celui qui l'a lu. Non, je ne l'ai pas lu. Lui, il connaît évidemment, puisque en plus de l'avoir lu, il l'a même écrit. Voilà, bah, donc, j'ai peut-être un peu oublié dans l'intervalle voilà. Parce que ça fait un moment, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Et donc, l'idée, ça va être de vous présenter le bouquin, puis parler un petit peu de Captain Tsubasa, tout simplement. Parce qu'il y a deux bricoles là, et dont une que vous voyez pas. Dont une qu'on va ouvrir. C'est celle-là, évidemment. Alors, non. Alors, celui-là, non. Je pense que si je devais l'ouvrir, je vendrais plutôt cet exemplaire pour en racheter un d'occasion, tu vois, si je veux jouer. Parce que là, ça vaut son petit pesant de cacahuète. Ah ouais, à ce point-là. Ah oh bah ouais. Ouais. Ça, je pensais pas. Bah je peux pas aller voir ton téléphone. Je l'ai ouvert pour. Bah, il ah ouais, bon, bah, c'est pas grave. Je l'ai ouvert pour écrire ce livre-là, justement. Tu l'as déblisté bah, ouais. Oh le fou. J'y avais pas joué depuis que je l'avais acheté, et puis bah, je l'ai ouvert à cette occasion-là. Donc, bon, alors. Peut-être pas dû. Trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est Captain Tsubasa pour les. Pour, j'allais dire pour les plus incultes, mais c'est un petit peu violent. Pour les plus profanes, on va dire, qu'est-ce que c'est Captain Tsubasa? Est-ce que tu peux nous présenter Captain Tsubasa? Je pense que ça sera plus connu des gens sous le nom d'Olivier Tom, même voilà. Si ils essayent un petit peu maintenant de réhabiliter l'appellation Captain Tsubasa oui. Dans les nouveaux produits qui sortent, notamment dans ceux qu'on a à nos oui, pieds. Tout à fait. Mais oui, évidemment, Captain Tsubasa, c'est avant toute chose Olivier Tom, le dessin animé que tout le monde a vu quand il était gamin. Olivier Tom, ils sont toujours en forme, Tom Olivier, sont super entraînés. Enfin, tu vois, ça c'est un peu comme Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est les génériques, ils sont tout pourraves. Ouais, mais, mais tu les kiffes tellement plus que les génériques qui sont beaucoup plus classe de la version originale que ça dépend sur quelle série alors on va déjà faire un premier hors sujet. Ça dépend sur quelle série. Non, mais c'est pas grave. 4 minutes. Mais on s'en fout, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On a commencé direct avec du hors sujet. Mais oui, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et non, il y a des génériques effectivement, moi j'ai découvert certains génériques en version originale tard, mais tu apprends à les apprécier. Et après, alors t'as toujours un petit peu de nostalgie pour le générique de la VF, mais en fait, le générique de la VO, il est pas mal quand même. Tu vois, c'est le cas totalement. Sur Saint Seiya. Totalement, mais t'as sur toujours Saint Seiya, quand je les regarde, les animés, t'as le générique en VO, bah il est mortel, quoi. Bah, DBZ, c'est pareil, hein. Ah, DBZ, Chala et Chala, ouais. Ou We Got a Power, là. Ouais. D'ailleurs, je les ai découverts, ces génériques-là, je pensais même pas que c'était le générique original à l'époque. Mmh. Je les ai découverts, le We Got a Power, je l'ai découvert au cinéma en allant voir Broly, le retour de Broly et Bio Broly. Ah oui, oh là là, Bio Broly. On va oublier le deuxième, mais Bio Broly, le premier non, était non, plutôt il est jamais trop. Sorti, Bio Broly. Non. Encore hors sujet, mais tu sais que le voir en dégoulinant là, ouais. Sur sa merde, là, parce que c'est, bah, c'est vraiment, clairement, c'était de la merde, oui, comme la merde. Le film. J'ai passé tout le film à me dire, bon, c'est quand que la merde elle finit de dégouliner et qu'on voit Broly enfin, quoi. Et en fait, bah, ah non, jamais. Bah jamais. Jamais. Heureusement ouais. Que ça ne dure que trois quarts d'heure. Oui. Et bon, le précédent n'était pas non plus extraordinaire, mais quand même beaucoup mieux que le bio Broly. Oui, bah ça, il n'y a pas débat.
Bref. Donc revenons-en à Captain Tsubasa. Donc bah Olivier Tom, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi dans ton enfance? Ah, moi je me souviens, on en a parlé dans la fac où quelqu'un nous demandait si on avait déjà fait du vol à l'étalage et trucs comme ça. Ah bah les pochettes de stickers Panini Olivier Tom. Putain, j'en ai chouré. Et ben j'ai plus l'album en question, hein. Il y a un album qui est sorti récemment sur Panini, qui est sorti l'année dernière. Je l'ai fait. Il doit me manquer 6 ou 7 stickers, je crois. Faut que je fasse la commande des manquants sur le site de Panini pour le compléter. Ah, ça perd tellement de son charme de pouvoir commander les trucs qui te manquent. Ah oui. C'est tellement mieux d'acheter une centaine de pochettes, de claquer tout ton pognon dedans pour rien avoir. En fait, à dire vrai, j'ai pas attendu qu'il soit bradé. C'est-à-dire que j'ai acheté l'album, je suis allé sur le site de Panini, j'ai acheté une boîte de 50 pochettes. Et là, j'étais en mode, comment dire, open bar. Ben, j'ai ouvert mes 50 pochettes, j'ai trié les 250 stickers, et puis je les ai tous collés d'affilée, tu vois. C'est une autre manière de faire du Panini. C'est voilà vrai. le gamin que j'étais, et il aurait vu, il a un peu plus de sous forcément, et il verrait ça, il aurait su que ça se passerait comme ça, putain la chance. Donc voilà, après le gamin que t'étais serait venu te voler. Oui, il m'aurait chouré la boîte. Ouais. Il m'aurait chouré la boîte, le petit con. Non, sinon qu'est-ce que ça représente Olivier Tom? Bah forcément beaucoup de souvenirs, tous les dessins animés qui traitaient du football à l'époque, hein, parce qu'il y en a d'autres. Moi je parle de mes souvenirs, tu me corrigeras peut-être parce que j'imagine que t'en parles un petit peu dedans. Il y avait Un but pour Rudy, il y avait l'école des champions. Ouais, l'école des champions. Ouais. Tout ça ça passait à peu près à la même époque, hein, fin des années 80, début des années 90. Et donc forcément, enfin moi je me souviens regarder les épisodes, on critiquait Dragon Ball parce que pendant 2 minutes du début c'était le résumé du précédent épisode. 2 minutes à la fin, c'était prochainement. Et puis le quart d'heure qui séparait tout ça, c'était les deux mecs qui se regardaient dans le blanc des yeux. Donc ça, c'est Dragon Ball. Ça pouvait arriver. Dans Olivier Tom, c'était les mecs, ils parcourent le terrain. Le terrain qui est tellement long qu'on voit la courbure de la planète. Voilà, il est arrondi. Et on voit les mecs qui courent, ils courent. Et puis pendant ce temps-là, ils se tapent la discute, évidemment. Ouais, y a des flashbacks aussi. Ils racontent toute leur vie et tout. Et c'est un truc de fou. Enfin. Bah, ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à adapter en dessin animé. Dans le manga, par exemple, t'as pas du tout cette notion de terrain interminable. C'est juste que t'as un flashback, quoi, c'est tout. Mais ils sont pas. Ouais, c'est un choix de mise en scène. Mais à l'époque, a fait la renommée aussi du dessin animé. Donc. Mais oui, bah bien sûr. Voilà, nous, enfin, avec nos yeux d'enfant, ça passait. Maintenant, effectivement, on regarde ça avec un œil un petit peu plus critique. Et on se dit, ça faisait pitié, quoi. C'était du remplissage pour faire des épisodes et des épisodes et des épisodes. Pourquoi faire plein d'épisodes? Parce que plus tu fais d'épisodes, plus tu diffuses, plus tu mets de pubs. Et puis au passage, on a quand même vu bien pire depuis, notamment les. Alors je sais pas si t'as suivi les Naruto Shippuden. Ah non, Naruto, jamais. C'est catastrophique. C'est une catastrophe. Alors l'histoire est cool, ça y a pas de problème, mais alors des hors sujets, mais ils vont te faire un épisode qui fait avancer l'histoire principale et tu peux avoir une dizaine d'épisodes hors sujet avant d'avoir la suite. C'est ce qu'on appelle les fillers. Ouais, mais des mauvais fillers, quoi. Ouais. Des fillers qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale. Les pas fillers, des trucs qui te racontent des choses en plus sur cette histoire-là. Ouais. Mais non, vraiment. Tire à voir sur Wikipédia, tu regardes la liste des épisodes et je crois qu'ils ont mis un code couleur pour les épisodes qui servent à quelque chose et ceux qui servent à rien, bah t'as pas grand chose à regarder. J'étais allé faire ça pour X-Files, hors sujet. J'étais allé regarder ça pour X-Files parce que X-Files il y a, je sais pas, 200 épisodes. Beaucoup d'épisodes. Et en fait, c'est pareil sur Wikipédia, t'as la liste des épisodes qu'il faut regarder pour voir avancer toute la mythologie d'X-Files. Et après, t'as tous les épisodes à côté qui sont juste des petites histoires mais qui font rien avancer. Eh ben, du coup, t'as ça dans Naruto alors. Ouais, t'as ça. Parce que dans Dragon Ball, t'en as du filler, mais c'est souvent entre les arcs. C'est un petit peu de remplissage. Bah, c'est un petit peu tout le monde. Notamment. Celui-là, il était pas dans le manga par exemple. Ouais. Mm. Et même dans Dragon Ball Super, t'as toujours un petit blabla entre deux arcs. C'est aussi différent, Dragon Ball c'est Super. C'est pour alléger en fait. C'est plutôt le dessin animé qui est canon et le manga qui est adapté. Oui. On sait pas trop lequel est vraiment canon. Bah, plus maintenant. Bah. Oui, maintenant, ça a plus dépassé, effectivement. Voilà, revenons-en à Captain Tsubasa, à nouveau. Voilà. Donc voilà, ça représente ça pour moi, Captain Tsubasa. C'est évidemment des souvenirs. Ça fait un bon moment que j'ai pas regardé un épisode, bien évidemment. Je dois avoir quelques tomes du manga. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'ai un petit peu de mal à regarder maintenant. Même si tu m'as chauffé avec le reboot, effectivement, que je regarderai sans doute un de ces quatre. Mais... Et qui ne fait que 50 épisodes. Ah oui. Donc c'est un peu le Dragon Ball Kai de,
de Captain Tsubasa. Ah oui, d'accord. Mais voilà, toute proportion gardée, évidemment, mais là, tous les terrains de 10 km, etc., ça, c'est dégagé pour de bon, quoi. Ils ont gardé vraiment l'essentiel, et ils l'ont bien gardé et bien réussi à le motiver. Ah bah, c'est le but. Mais j'avais organisé un tournoi pour les pronostics pour l'Euro dans ma boîte, et j'ai fait gagner les Blu-ray de la première saison. Ouais. Et j'ai failli m'en prendre un autre exemplaire pour moi, tu vois. Et je suis, ah là là, et quand j'ai vu le truc, je fais, ah c'est vrai que ça a l'air sympa quand même. Ah, c'est vraiment, vraiment cool, et c'est bien dessiné. Tu connais sûrement Jojo Bizarre Adventure, oui. Donc c'est fait par le même studio d'animation. D'accord. Et bah, tu vois la corrélation entre les deux, c'est super visible. C'est-à-dire, l'animation en elle-même va pas être vraiment ouf, c'est-à-dire, tu vas pas forcément avoir des joueurs qui vont énormément bouger, par contre. Tu vas avoir les pauses, le dynamisme dans les... Ouais. Dans, ouais, c'est même plus, limite, c'est plus moderne, quoi. Parfois. C'est du Jojo, vraiment. Ouais. Alors, pas au niveau de l'univers, etc., mais dans la mise en scène, c'est vraiment ça. Et ça colle nickel à l'univers de Captain Tsubasa. Enfin, je veux dire, des tirs du tigre et des tirs de la feuille morte avec une mise en scène comme ça, je te laisse imaginer ce que ça donne. Et c'est exactement ce que tu vas imaginer. Ah ouais, ah, ça, oui. Putain, il me chauffe. Ah bah ouais, mais totalement. Et vraiment, autant, tu vois, Dragon Ball Z, Kai, ça m'a jamais intéressé, je préfère vraiment le truc original, autant maintenant, je peux plus regarder le Captain Tsubasa de l'époque. Ah bah alors... Contrairement au Captain Tsubasa de 2018. Pour le coup, Dragon Ball Kai, alors je les ai pris en Blu-ray, je les ai tous regardés, donc il y a 4 coffrets. Et alors, il y a effectivement un gros problème avec la dernière partie. Ouais, la saga Boo. La saga Boo, en fait, le problème, c'est pas la remasterisation, puisque en fait, Dragon Ball Kai, c'est une version remasterisée de Dragon Ball, Z, principalement, donc du début de la saga Les Guerriers de l'Espace jusqu'à la fin du manga, donc la fin de Boo, tout ça. Il y a même le dernier tournoi avec Oob à la fin. Et donc, c'est raccourci, c'est condensé. Mais il y a un problème majeur sur cet animé-là, c'est qu'ils ont revu l'OST. Ouais, et sur la partie Boo, les musiques, mais vraiment, elles sont dégueulasses. Enfin, mais ça flingue tout, ça pète tout. Alors, quoi. Jusqu'à la partie Cell et les androïdes, ça passe. Il y a des revues, mais ça passe. De ce que j'ai entendu dire, il y a aussi un problème à ce niveau-là, c'est que les musiques, ils reprennent celles de l'époque, mais ils te les mettent pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils vont aller te piocher des musiques de, je vais dire n'importe quoi, puisque j'ai pas regardé en entier, mais par exemple, ils vont aller te piocher des musiques qui sont normalement dans la saga Freezer et te les foutre dans la saga Cell. Et moi, ça me dérange. Oh, ça m'a pas marqué plus que ça. Putain, la transformation de Gohan contre Cell, quoi. Ça, je suis désolé, pour moi, c'est impardonnable de prendre un truc aussi iconique et de te le foirer alors, dans une remasterisation. Alors certes, mais les musiques sur la partie... Les Saiyans, Freezer et Cell, ça se tient. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça au visionnage. Par contre, pendant la saga Boo, alors là, ouais. Ils t'ont foutu des musiques de Dragon Ball Super, je crois. Mais dedans, alors peut-être, c'est au niveau du générique, je crois. Bon, ça fait un petit moment que je les ai regardés, donc voilà. Mais il y a une musique en particulier qui revient régulièrement dans les animés, une musique un petit peu de tension, tout ça, quand il y a des trucs un peu graves qui se passent, et elle est inaudible, mais juste inaudible. D'autant et moi, j'en venais à baisser le son parce que ça me pétait les oreilles, quoi. Tu sais, c'est pas possible d'avoir fait un truc pareil. Bah, d'autant que les musiques de tension, c'est quand même un truc important dans Dragon Ball Z, notamment. Oui, on est d'accord. Hop, on revient à Captain Tsubasa. Captain Tsubasa, moi, quand je pense à Captain Tsubasa, on en parlait tout à l'heure, pareil, hors caméra, bah, c'est Olivia Hatton, c'est Mark Landers, c'est Thomas Price, les frères d'Eric. Bruce Harper, Ben Baker, voilà, celui qui se prend le poteau là, tout ça, voilà, c'est des souvenirs comme ça. Et forcément, quand on passe à Captain Tsubasa, ben ils ont plus du tout ces noms-là, puisque c'était des adaptations. Mais en même temps, on a eu ces adaptations aussi avec Dragon Ball, où certains noms ont été changés, et ils les ont pas rechangés dans les VF, hein. Dans les VF de Dragon Ball Super, si je dis pas de bêtises. Piccolo, il continue à l'appeler Satan petit cœur. Ah, j'ai jamais regardé les VF de Dragon Ball Super. Ah, mais moi non plus, en VO. Mais je vois pas pourquoi ils auraient changé ça, quoi. Ouais. Et Hercule, c'est Mister Satan. Enfin, non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est Mister Satan, c'est un peu mis dans la merde avec Steve. Bah oui, d'ailleurs. C'est bordel. Mais ouais, les noms, alors c'est vrai que au début ça m'a un peu gêné parce que j'avais du mal à faire la corrélation entre le personnage et son nom. Derrière, sincèrement, tu t'y fais et à la fin, t'as.
nettement plus de mal avec, avec les noms français. À revenir aux français. Ouais. D'autant que c'est quand même plus cohérent. Enfin, tout se passe au Japon. Et là, t'as des mecs qui s'appellent Julian Ross. C'est qui est plutôt un nom qui ressemble un peu à de l'espagnol. Enfin, je trouve ça plus Roberto, cohérent. C'est toujours Roberto. Alors oui, mais c'est pas Cedinho, c'est Hongo en version originale. Ils ont tout changé. Et après, t'as aussi des personnages qui n'ont jamais été adaptés en dessin animé et qui, du coup, n'ont que leur nom japonais. Ah oui. Puisque ça, les derniers arcs qui sont sortis uniquement au Japon, bah forcément, t'as jamais la traduction française derrière. Oui. Alors, dans ce bouquin, Captain Tsubasa, dis-moi quand même que ça t'a donné envie d'être footballeur professionnel. Non. Même pas. Alors, j'ai fait du foot quand j'étais môme. Mais on a commencé par mettre gardien. J'étais une passoire. Bah ouais, mais c'est la classique. C'est la classe quand même. C'est la classique. Et bon, voilà. Après, j'ai fait un petit peu. J'ai joué dans le cœur du jeu. J'en ai fait quand j'étais môme. J'ai jamais fait du foot à haut niveau. Après, j'en fais toujours. Oui, le foot. Le foot, c'est difficile. Quand t'es français, c'est difficile de passer au travers avec une bonne équipe comme celle qu'on a en France en ce moment. Enfin, quand tu regardes, sans faire du nationalisme trop intégriste, sur les 20 dernières années, la France, c'est 5 finales. Hein. Finale 98, finale 2000, finale 2006, finale 2016, finale 2018. 5 finales. Donc tu dis, vas-y, cherche une autre équipe internationale qui a des résultats aussi, aussi réguliers, on va dire. Bon, je dirais que l'Allemagne ne doit pas en être très loin. Oui, mais en fait, elle fait pas de finale. Elle est toujours dans le dernier carré, l'Allemagne. Ouais, c'est vrai. Quasiment toujours. Sauf en 2014, où ils ont été éliminés au premier tour, puisque c'est la malédiction du champion. En 2018. C'est la malédiction du champion. Là, en 2022, il va falloir qu'on fasse attention, parce que normalement, on passe pas les poules. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il faudrait la boycotter, vu qu'elle est au Qatar. Oui. Comme ça, tu prends pas le risque de ne pas sortir des poules. C'est pas une mauvaise idée. C'est malin. Mais oui, Didier, si tu me regardes. Sauf que Zizou, il a mis une pièce sur le Qatar, je crois qu'il a participé à la campagne, donc ça va être un peu compliqué de boycotter. Ça a motivé plein de mômes à faire du foot, oui. C'est Olivier Tom qui m'a motivé à faire du foot. Je me suis gamellé en essayant de prendre appui sur les poteaux comme... T'as fait ça. Tu peux pas ne pas tenter ça quand On en parlait dans les cours de récré, tu vois, les frères d'Eric qui font la catapulte, qui sautent sur la transversale. Jamais tenté la catapulte quand même, faut pas non plus déconner. Alors, il y en a qui s'appuyait sur les... Il y en a qui se mettait à terre comme ça avec les pieds en l'air, et l'autre il lui sautait dessus, c'est ça? Projetait sur la transversale. La transversale, t'as des variantes. Oh putain. Pour la petite histoire, à l'époque, je jouais dans un club de foot qui s'appelle la Mélinette à Nantes. Ah, Mélinette, oui. Et ceux qui connaissent la Mélinette, ils savent que t'as un seul terrain stabilisé, donc c'est vraiment un petit club. Hein. Enfin, à l'époque, derrière les buts, d'un côté, t'as une espèce de falaise. Ah oui, ça me parle. Et j'ai bloqué un ballon au haut de la falaise en voulant faire comme Olivier Hatton, en voulant faire le ballon qui grimpe et qui retombe après. Moi, il a grimpé, mais il est jamais retombé. Énorme. Pour moi, Olivier Tom, c'est tout ça, quoi. Et d'ailleurs, t'as des... Alors, moi, ça m'a inspiré pour devenir footballeur, mais t'as des gens un peu moins fameux que moi que ça a inspiré aussi. Je prends au hasard Rames Rodriguez. Hein, ah, quand même. Lionel Messi. Tu dois connaître, hein, même s'il est moins connu que moi. Vite fait. C'est un joueur qui s'en sort pas trop mal. T'as énormément de personnes qui ont été inspirées par ce manga, et c'est le dessin animé plutôt que le manga. Ouais. Et c'est ce dessin animé-là qui leur a donné envie de faire carrière, et c'est grâce à ça maintenant que t'as des stars du foot qui auraient peut-être jamais eu l'idée de faire ce métier-là. Mais c'est vrai que Barcelone est bien mise en avant aussi dans Captain Tsubasa. L'auteur Yoichi Takahashi est vraiment fan de Barcelone. Hein. Voilà. Et du coup, Léo Messi au Barça pendant presque toute sa carrière. Presque. Et d'ailleurs, pour information, tu te demandes s'il n'est pas visionnaire, le mec. C'est-à-dire que Kojiro Yuga, donc Mark Landers, au niveau de la puissance de travail, tu vois, de mec qui n'a jamais rien, qui part de loin, mais qui arrive quand même à se tenir au niveau, ça fait un peu Cristiano Ronaldo. C'est vrai. Dans la personnalité. Et, il a plus de cheveux quand même. Tsubasa, ça fait quand même un peu... Messi. Messi. Eh bien, figure-toi que quand j'ai vu Ronaldo qui signe à la Juve et Messi qui, lui, est au Barça, et que j'ai vu que c'était la même chose dans le manga pour leurs équivalents, je me suis dit, putain, le mec,
C'est un truc de fou. Quoi. Non, il n'était pas visionnaire. Il a appelé Ronaldo, il lui a dit bon, alors écoute, moi j'ai écrit ça. Ce serait bien. Voilà, faut suivre. Voilà. Mais non, c'est fou quand même. Bah, c'est vraiment fou. Mais quoi. C'est comme les Simpsons. Je sais pas si t'as vu sur les Simpsons tous les trucs. Bah, moi j'en parle avec un pote de temps en temps. Et tous les trucs que les Simpsons ont vus avant que ça arrive, quoi. Le fait qu'il y ait l'élection de Trump. Les Simpsons l'avaient vu. Ah oui, d'accord. Il y a plein de trucs comme ça. Je vais pas vous faire la liste complète parce que je la connais pas. Mais allez chercher sur le net les Simpsons visionnaires. Et je crois que là, par exemple, le nouvel épisode de Matrix, il l'avait vu aussi. D'accord. J'espère qu'il a pas vu trop de trucs, qu'ils ont pas vu trop de trucs par rapport à la France. Parce que là, on a une élection qui arrive. Faudra éviter ouais, c'est clair. Les accidents de parcours. Bon, alors si on revient au contenu du bouquin, je vois. Moi, je l'ai reçu il y a une semaine à peu près. Moi, tu l'as reçu avant qu'on tourne la FAQ, je me rappelle. Une petite photo. 10-15 jours. Donc, ça parle des mangas, les one-shots. Les one-shots, c'est des mangas, donc c'est un tome. C'est des histoires courtes. Alors, pas forcément un tome, hein, ça peut être même quelques pages hein, pour certains. Ah, d'accord. J'ai essayé de parler de tout cela. Ça parle des dessins animés, des films, parce qu'il y a des films aussi, des jeux vidéo, on y reviendra. Et puis après, t'as un petit épilogue sur 2020-2021. Bah, l'épilogue, c'était. En fait, ce bouquin-là, par définition, peut pas être complet, puisque t'as une actualité qui arrive permanence. Donc, l'épilogue, c'était surtout pour parler des choses que j'avais pas eu le temps de mettre. Tu feras une version augmentée. Ouais, on verra. Bah, y a déjà... Love, tu vois, tu rajoutes 2-3 pages et puis tu le revends 25 balles. On ne mange pas de ce pain-là chez Côté Gamers, monsieur. T'as déjà des chapitres qui sont sortis depuis, donc le bouquin est pas complet, mais bon. Fallait bien le faire un jour, donc j'ai repoussé plusieurs fois pour pouvoir parler des différentes choses. J'ai attendu la fin d'un match assez capital dans le manga pour pouvoir en parler. Et puis là, j'ai dit, bon, c'est bon, on y va, quoi. Bah, même si t'attendais que la série ait plus d'actualité, des fois, tu te dis, ça n'a pas d'actualité pendant 15-20 ans, et puis paf, ça reprend, quoi. Bah, on parlait de Matrix à l'instant, bah voilà, c'est le cas. Il n'y a pas d'actualité Matrix. Dragon Ball, c'est pareil. Donc voilà, il y a un moment, tu te dis, j'écris le bouquin, et puis bah... LucasArts, c'était pratique de ce point de vue-là. Encore que là, maintenant, bon, ils ont ressuscité Lucasfilm Games, c'est plus la même entreprise, donc c'est moins gênant, quoi. Tout à fait. Donc, on peut parler. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur les one-shots dont tu parlais là ? Parce que ça, c'est pas trop connu, je pense, en France, du coup. Les one-shots, tu les vois que aux États-Unis, au Japon. Mmh. Hormis certains qui sont sortis, notamment, tu as une histoire sur Misaki Taro. Misaki Taro, donc Ben Baker, qui t'apprend un petit peu sa vie avant d'arriver à Nankatsu. Et ça vous donne un petit aperçu du bouquin, voilà. De toute façon, c'est coloré. Le petit screenshot au montage. Bah voilà. C'est toi qui t'en occupes. Hein. Je te laisse le montage de celle-ci. Pas de problème. Ce one shot là, c'est un des rares qui est sorti en France. Sorti sous quelle forme? C'est sorti sous forme d'un tome, tout simplement. Ah oui, un tome à part, un tome à part, Et ça se trouve encore facilement, ça? Je ne saurais pas te dire. D'accord. Je crois que tu dois pouvoir le trouver relativement facilement, peut-être pas neuf, mais d'occasion. Parce qu'ils l'ont ressorti, Katsen Tsubasa, il y a quelques années, en manga. Ils ont ressorti une nouvelle version du manga chez Glénat, si je dis pas de bêtises. Là, tu as un reboot qui est sorti en manga aussi, mais c'est relativement récent, je crois. Mais c'est l'adaptation de l'animé. Alors c'est une version comics. Ça c'est l'animé comics effectivement. Ah oui, alors il y a encore autre chose. Ouais, il y a encore autre chose. Ils ont ressorti un reboot du manga qui essaye de remettre ça un petit peu au goût du jour et surtout d'avoir plus d'homogénéité dans le style graphique qui a beaucoup évolué. Bah, comme on parlait de Dragon Ball, les yeux tout ronds de Goku au début de Dragon Ball et par rapport à la fin de Dragon Ball Z, ça a beaucoup changé. Donc là, ils ont essayé d'homogénéiser un peu tout ça. Le résultat est plutôt pas mal. Visuellement, ça fait le café comme on dit. Ça fait le café. Moi, je vois pas de café. Ça fait le thé alors. Non, plutôt chocolat. Ça fait la bière. Bière. les one shot, il y a des histoires comme ça, des trucs marquants que tu as découvert dans les one shot qui sont vraiment importantes sur le scénario. Alors les one shot, par définition, la plupart sont hors série. Ouais. C'est comme un spin-off, un peu, non? C'est un peu comme les films Dragon Ball Z. D'accord, tu vois, ça se déroule dans un autre univers. Alors, t'as des trucs qui font bien plaisir parce que ça te permet d'avoir un petit rêve qui devient réalité, mais bon, c'est jamais réellement ancré dans la chronologie officielle, quoi. Et c'est one shot, c'est ce qui a été adapté en film derrière ?
Ça n'a pas forcément été adapté en film. T'en as un seul, je crois. Alors, je vais peut-être dire des bêtises puisque ça fait longtemps. Mais je crois que t'en as un seul qui a été adapté en film derrière, qui traite d'un match contre la Hollande. D'accord. Et qui a servi ensuite de prologue à la suite du manga. Ok. Est-ce qu'on part tout de suite sur les jeux vidéo? Ça peut être intéressant de parler JV. Oui, on va parler de JV. Alors, Avant? juste au niveau de la genèse du projet. Oui. Ah oui, on peut. C'est Parce vrai que j'ai que. pas. Merci, tu Bah fais oui, les questions à je la fais les place. questions. Alors maintenant, tu vas faire les réponses. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Non, alors, il y a un truc assez marrant, c'est que, tu sais, quand on avait fait la vidéo flashback, on avait parlé du bouquin qui devait faire 100 pages au départ et qui, au final, s'était Oui. transformé en truc en 2 tomes parce que j'ai toujours la volonté de rajouter des trucs et de me foutre dans la merde tout seul. Ça, c'est pire. Ah oui. Ça, c'est pire. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était Patrice qui m'avait proposé. Alors, tu dois savoir, puisque je crois que je l'ai vu dans ce que tu as acheté, tu as un magazine chez Côté Gamers qui s'appelle Génération NES. Oui. Et qui traite bah, de la NES, tout simplement. Et il m'avait proposé, bah, est-ce que tu veux faire un article pour Génération NES? Donc j'ai dit, ouais, bah oui, c'est cool, je vais choisir un jeu que j'aime bien, et je me suis dit, tiens, je vais parler de Captain Tsubasa. Donc je commence à écrire mon article, puisque Je t'ai ça. pas vu. Ah bah si, Il y a Zizou. obligatoire. Il y a Parce Zizou. que tu apprendras que dans le manga, tu as Zedan qui joue à la Juventus. Oh la Pas vache. Zidane, Zedan. Ah Mais bah ça, on oui. va y revenir, mais t'as des choses que tu vois dans le manga qui n'est sorti qu'au Japon, que enfin, tu pourrais jamais voir ça en France parce qu'il se prendra des procès Ouais, c'est à clair. tir à l'arigot. Donc je commence à rédiger un article sur le premier Captain Tsubasa sorti sur Famicom. Et je me dis, bah il y en a eu un deuxième, c'est aussi sorti sur Famicom, donc autant en parler tant qu'on y est. Je commence à rédiger un Et article paf, de le doigt dans celui-ci. l'engrenage, huit. Et je me dis, ouais, mais quand même, il y en a eu plein d'autres des jeux derrière, ça serait con de pas en parler. Donc je commence à dire à Patrice, bon, je peux faire un petit paragraphe. Et quand le paragraphe a commencé à être beaucoup plus long que les deux articles qui étaient censés être Ouais. dans le magazine, qui, on rappelle quand même, s'appelle Génération NES, hein, à la base, bah je me suis dit, ouais, ça m'emmerde, parce que là, moi, par exemple, j'avais beaucoup aimé le jeu sur PS2, et je pouvais pas en parler longuement. Donc je dis à Patrice, bon, ça te dirait un livre Génération Captain Tsubasa au lieu de Génération NES? Donc je me suis lancé là-dedans, je commence à rédiger mes articles pour les jeux, et au fur et à mesure que je jouais et que je découvrais le scénario, je me suis rendu compte, mais en fait, il y a plein de choses que je connais pas dans. Moi, je connaissais Olivier Tom comme tout le monde, Bah oui. le dessin animé, et je connaissais pas la suite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, donc je me suis dit, bon, allez, on va arrêter d'écrire des choses sur ce qu'on connaît pas, et on va commencer à se mettre à jour. Donc j'ai lu tous les Captain Tsubasa depuis le premier arc, bah, celui qui est sorti en France, jusqu'au dernier où il a dépassé la vingtaine. Oui. Et je me Oui, je suis me dit, souviens d'avoir vu bah, des trucs, ça oui, serait simplement. dommage de ne pas en parler non plus de ça. Donc allez, on va parler des mangas. On parle des mangas, bon, bah, on va parler des dessins animés aussi. Et puis, Ouais, là, bah, tu de tires fil en sur la aiguille, ficelle, voilà, tu tires là. sur la ficelle. Et derrière, je me dis, putain, il commence à y avoir beaucoup de personnages, là, et beaucoup de scores à retenir, les résultats des matchs. Allez, on va faire un tableau des scores dans le bouquin. Et oui, j'ai puis, vu ça à la fin, oui. tant qu'à faire, les personnages, pour que les gens ils puissent s'y retrouver, bah, on va faire un listing des personnages avec un petit Oui, et descriptif. il est violent, le listing T'as des personnages, 70 hein. pages de listing. Ouais. Là, tout ça, c'est les listings des Et personnages. d'autant que ça, je trouvais ça intéressant de le faire pour parler non seulement des personnages, mais aussi des joueurs dont ils étaient inspirés, puisque tu as énormément d'inspirations Ouais. plus ou moins évidentes à ce niveau-là. Il y a tous les scores, du coup c'est spoiler ça, faut pas Ah, regarder. c'est gros spoiler. Ouais. Et ben voilà, comment on se retrouve avec un bouquin de. Il fait combien? Pas 450, je loin crois. de 450, ouais. Alors qu'à la base, ça devait Ouais, juste être 433. un article dans un magazine. Bah oui, mais on se refait pas. Eh ouais, on se refait pas. On se refait pas. En fait, il me connaît le bougre là de côté gamers, Bah et oui. c'est, il a même pas besoin. Lui, il instille l'idée, Mais tu vois, oui! et derrière, je me mets dans la merde tout seul, et voilà, En fait, quand il t'a il connaît proposé la l'article dans technique. Génération NES, Bah, il savait. il savait que ça ferait un bouquin à la fin. Ah le malin! Ah le malin! Donc voilà, on est encore dans la droite lignée des précédents projets de bouquin, on va dire. Donc, sur les jeux vidéo, si on peut parler de jeux vidéo, après on rebondira sur plein d'autres sujets s'il y a besoin. Je vous ai sorti les deux seuls qui sont À être sorti sortis en en Europe. France. En France et en Europe. En France et en Europe. Donc, la version. Nintendo DS, que non, je ne vais pas débiter
devant vos yeux ébahis. Non, je vais pas faire ça, parce que ça vaut son... Moi, j'ai payé 10 balles, hein, en solde. Hein. Oui, mais c'était à peu près le même prix. Et bah maintenant, c'est plus ça, hein, c'est beaucoup plus. Ça m'étonnerait pas qu'il faille rajouter un zéro, quoi. Donc, bah, c'est toi qui vas nous en parler, parce que moi, j'y ai pas joué. Toi, tu l'as ouvert pour y jouer, donc... Voilà. Et puis, bah, l'édition collector. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce jeu qui est sorti sur PS4 et sur Switch. Exclusivement, il n'y a même pas de version sur Xbox. Sur PC, il est sorti. Ah oui, sur PC aussi. Non, je me demande. Mais ça compte pas le PC. Je crois que c'est même que du démat, oui. Il me semble. Mais sur Xbox, il est même pas en démat. Non, quoi, sur, hein. Emad, sur Xbox, il n'est pas sorti. Et donc, d'où l'intérêt d'acheter une PS4 au lieu d'une Xbox. Mais d'où l'intérêt d'avoir les deux. Oui, c'est mieux. Et comment dire, sur ce Captain Tsubasa, il y avait plusieurs éditions collector différentes. Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure. Il y en avait une que. Qui te faisait de l'œil. Ouais, alors il y avait une édition collector que je pense pas grand monde a acheté, c'est-à-dire que ça regroupait ça avec également un baby-foot de chez René Pierre, hein, qui est quand même un. Ah ouais, mais un c'était la super cam. Hein. Ouais, un fabricant vraiment. Mais par contre, il y en avait pour 1000 euros, je crois, c'est un truc comme ça. Je me demande si c'était pas plus que ça. Hein. Ah ouais. Ah ouais, oh, c'était vraiment hors de prix. Et il y avait aussi une édition, donc la même que celle-ci, mais avec un maillot de Tsubasa du Japon. Et malheureusement, bah, je suis passé à côté, j'aurais bien aimé l'avoir. Il coûtait, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'euros de plus. Ouais, mais c'était réservé au site de Bandai. Tu pouvais pas l'acheter ailleurs que sur le site de Bandai. Mais quand je me suis réveillé, c'était déjà sold out, hein, comme on dit, oui. Malheureusement. J'ai dû me contenter de la même édition que toi. Alors par contre, petite anecdote, quand tu l'achetais chez Micromania... t'avais un bonus, je crois que c'était un fanion de Nankatsu et de Toho. Ah non, j'ai pas ça. Non, et j'ai uniquement pas ça. Chez Micromania. Et quelques bonus digitaux aussi. Bon, ça, on s'en fout un peu. Mais... Donc voilà, j'ai enlevé les petits stickers. Parce qu'on va faire un unboxing tant qu'on y est. Hein. C'est pas une vidéo unboxing, mais profitons-en. D'ailleurs, au sujet de maillot, je t'en parlais. Il y a une chaîne de vêtements française qui s'appelle Celio. Hein, j'ai pas de. D'action chez eux, placement produit, attention. Ils ont fait, ils font des fois des t-shirts sur des licences comme ça. Ils en ont fait pour Captain Tsubasa. Et ils les ont bradés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois grand max. Et donc moi j'avais pu acheter, donc c'est des t-shirts blancs, mais avec le numéro du perso derrière. Je crois que tu as même le perso qui apparaît, donc Kojiro et puis Tsubasa, donc ils sont Mark Landers et puis Olivier Hatton. Et donc je les ai payés 10 balles pièce, ouais, je crois. Voilà. Ça va pour un truc à licence, c'est bah oui, oui, oui. Et ils ont fait la même chose pour Dragon Ball, donc j'attends qu'ils les bradent à leur tour. Et autre petite anecdote, c'est que je sais plus pour quelle compétition, c'était peut-être bien la Coupe du Monde 2018. Le maillot du Japon, dans les numéros qui étaient marqués derrière le maillot, et ben c'était des images, des extraits de Captain Tsubasa. Et c'est con, j'ai pas pensé à le préparer. T'as eu un partenariat qui a été scellé entre la Fédération Française de Football et Captain Tsubasa, en fait. Fédération japonaise ? Non, française. Ah ouais ? Et t'as eu, bah ça, tu le vois dans le bouquin d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu brièvement. Et d'illustrations qui ont été faites, des dessins par l'auteur. Hein, oui, mais là, c'était le maillot japonais. Oui, mais t'avais quelque chose qui était vraiment prévu, et malheureusement, avec. Alors, c'était même pour l'Euro 2020, oui, c'est ça. C'est beau, ça. Et malheureusement, t'as eu le Covid qui est passé par là et c'est un petit peu tombé à l'eau au final. Ah merde. Elle est très belle, cette illustration. Bah oui, elle est canon. Hein. Donc là, j'ai un DLC, mais on va pas le montrer. Et il y a un truc que j'ai apprécié aussi dans ce packaging, c'est que tout est bien calé, quoi. Ouais. Au niveau de l'organisation interne, ça bouge pas et c'est vraiment. Donc vraiment, là, j'ai un héros pack. T'es parti dedans. J'ai le pack des héros. Ça s'ouvre comment? Attention, on déchire pas. Bah non. Hop. Et donc ouais, en fait, moi c'est pas un maillot officiel que j'ai du Japon. Hein. C'est un maillot acheté chez les Chinois que j'ai payé 15 balles, mais qui est très bien reproduit. Et donc là, j'ai... Oh, c'est joli ça. Bah oui. Mais il n'y a pas d'album avec. Tu vas pas pouvoir dépenser tout ton argent pour en acheter d'autres. Ouais, des petites cartes et tout. Ouais, mais ça, je vais les foutre dans un classeur et tout. Faut que je retrouve toutes les cartes que j'ai eues dans tous les jeux comme ça pour les foutre dans un classeur et toutes les. C'est format carte téléphonique classique en plus. Ouais. Voilà, bah les fanions dont tu parlais. Alors mais non, ça c'est des écussons, mais t'as vraiment un fanion qui a été fourni par spécifiquement Micromania. Donc Nankatsu c'est la New Team. Mm-hmm. Et c'est la Toho. Celle-là ils l'ont pas renommée. Donc le jeu, version multilingue, avec pas marqué Not for Resale. Hein. C'est une vraie version. Mmh. Voilà. Hop, on va mettre ça là.
Il y a un très joli steelbook. Exactement. Il est beau. Et puis il y a le titre sur la tranche. Hein. Premier truc que je regarde. C'est bien. Quand ouais, voilà. C'est vrai. Avec les deux alter ego. C'est pas systématique non plus. Ah, sur celui de Metroid, il n'y a pas. Oh, c'est dommage, à l'intérieur, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien à l'intérieur. Par contre, ça, c'est plutôt sympa. Très joli. Voilà pour ça. Donc, les petites cartes, machin, tout ça. Ah, c'est vrai que c'est bien rempli, ça se balade pas. Hein. Ouais, c'est l'organisation. Bah, on a parlé d'un autre collector il y a peu de temps, là, où j'étais un peu dépité parce que je l'ai reçu deux fois défoncé. Bah, c'est typiquement le... Et ça, c'est juste une boîte vide. Voilà. C'est pour remplir, quoi. Pour éviter que ça et se balade. Oui, mais en fait, le collector dont tu parlais, c'est Microids. Et Microids, mais c'est vraiment... Fin... Et pourtant, le coffret est joli, le contenu est cool, mais ouais, tu le reçois, je l'ai reçu une fois, il était défoncé, je l'ai renvoyé, ils m'en ont envoyé un, il était aussi défoncé, donc j'ai dit c'est bon. En fait, c'est mal pensé, c'est joli, oui, ça fait plaisir, mais par contre, c'est mal pensé. Puis bon, bah, Microids, voilà, enfin. Moi, je sais pas, on n'a pas fait de review de. Bah, fais-les tous. Hors sujet, mais. On peut parler des jeux Microids. Moi j'ai fini récemment comment il s'appelle, le Marsupilami. Et franchement, agréable surprise. Ça passe, un petit jeu de plateforme sans prétention, très accessible, très facile. Voilà, je me suis bien amusé avec. Ah merde, il y a un autre. Et par contre, c'est le baffer les tous là qui a beaucoup fait parler. Lui s'est fait un peu baffer. Hein, bah pas tant que ça. Alors, en fait, les critiques négatives pas sont parler... pas si nombreuses. Oh. Mais alors putain, mais le jeu c'est plus répétitif, tu meurs littéralement. Je dirais que les critiques négatives venant de la presse sont pas très nombreuses, ouais. Mais venant des joueurs, ils ont dû arroser Microids. Hein. Ils ont dû bien arroser Microids pour que les critiques de la presse soient plutôt correctes. Ah oui, le jeu il est beau, hein. Oui, c'est beau. C'est de la 2D vraiment très très agréable, ça flatte la rétine et tout. Par contre, en termes d'expérience ludique, bah, c'est le zéro absolu. Hein. C'est juste ça, le zéro absolu. Je l'ai acheté sur Xbox et puis on a voulu se faire une soirée avec un pote dessus. Bah, on a fait 3-4 niveaux, puis on a lâché l'affaire. Non, en plus, dit, il est long, hein. Il y a une cinquantaine de niveaux, je crois. C'est hyper long. Je vais pas réussir à enlever les. Mais d'ailleurs, le collector, puisqu'on parle des collecteurs, oui, bah, il est bradé, déjà aussi. Bradé à une soixantaine d'euros. Oui, oui. Mais ça, c'est les collecteurs. Faut jamais les acheter quand ils sortent, les collecteurs de Microids. Ouais, jamais. Mais je voulais soutenir, parce que derrière, il y avait un autre studio derrière Microids. Hein. Microids, c'était uniquement. Oui, c'est l'éditeur. Voilà, il s'était uniquement occupé de l'adaptation console de ce jeu-là. Et bon, bah là, oui. Moi je veux bien soutenir, mais bon, au bout d'un moment, quand tu reçois un truc défoncé à 150 balles, bah, ça fait chier. T'as moins envie de soutenir après. Quoi. Bah là, j'ai reçu ce matin, tu vois, il est là-bas, le collector de Oddworld, Soulstorm. Parce que bah, 150 balles et tout, alors tu dis Oddworld, t'es peinard. La licence derrière, tu sais que c'est pas un petit studio à deux balles, oui, de Microids qui l'a fait. Le jeu, il est bien, il n'y a pas de problème. Et en plus, il était filé dans le PS Plus, mais c'est pas grave. Là, le collector avec une belle figurine de Abe. Bon, bah, ils l'ont bradé sur Amazon Espagne, je crois. Il était rendu à 80 balles. J'ai fait, oh bon, allez, vas-y, c'est bon. Moitié prix quasiment. J'ai dit, bon, allez, ça va. C'est correct. Ça commence à devenir intéressant. Mais ouais, mais Microids, quand c'est de l'édition de jeux que eux-mêmes ont lancé et ont donné à faire à des petits studios pas très connus qui ne développent que pour Microids, bah, souvent, je suis désolé, c'est de la merde, hein. Enfin, voilà, c'est l'équivalent d'Avilex. Enfin, prenez l'adaptation de 13. Ouais, l'adaptation de 13, le portage de 13. Enfin, non, ouais. Et puis là, en plus, ils partaient d'un jeu excellent à la base. Ils ont bah réussi oui. à le massacrer. Ils ont réussi à le saccager, donc faut, voilà. C'est encore plus impardonnable, j'ai envie de dire. C'est un scandale. C'est un scandale. Oh, il y a du scotch partout, putain. donc, parle-nous des jeux. Vu que tu y as joué, moi, j'ai joué aucun des deux. Oui, bah, tu vas avoir l'occasion certainement de. Bah oui, d'essayer la version PS4, oui, carrément. Ça, je peux l'ouvrir, hein. La version PS4, ça vaut bah, rien. Maintenant, il vaut en 9, même en 9, ça doit valoir 20 balles, je pense. Pas le collector. Ah oui. Le collector, tu le trouves dans certains Micromania, ils l'ont, il est baissé de prix, ils n'arrivent pas à le vendre. Donc, je l'ai vu dans des Micromania, ça doit valoir 70-80 balles par là. C'est correct. Hein. C'est très correct. C'est une vraie grande distance. En fait, 70-80 balles, c'est quasiment le prix de cette figurine-là, quoi. Quand on l'achète dans le commerce. Donc c'est carrément honnête. Je crois que tu vas pas y arriver. Non, mais je me bagarre avec. Pendant ce temps-là, tu peux parler des jeux. Alors, tu veux que je te parle de quel jeu? Bah, celui sur DS, là. Celui sur DS, donc, c'est pas un mauvais jeu. Il a pas été très bien noté à l'époque. Hein. Oui, c'était moyen. Moi, j'avais vu les critiques, c'était moyen. Très moyen. Après, c'était le premier qui est sorti en France, bah ouais. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Enfin, je pars déjà en hors-sujet, mais
en France, il y avait quand même un problème, même en Europe, hein, globalement, mais en France, plus que qu'ailleurs, on avait quand même le Club Dorothée, ouais, qui crée un public assez important pour ce et type Et on a attendu, quelle année ça? 2009, je crois. 2010. 2010, j'étais pas loin. 2010 pour la version française. Dragon Ball, hein, c'est le même problème, hormis le Secret du Dragon, un peu. Ouais, sur NES. Voilà, un peu. Ouais, qui est un peu moisi, ouais. Et les 4 jeux de baston sur, sur Super Nintendo. Ouais, puis amputé. On a rien plus eu, quoi. Ouais, amputé. Enfin, surtout le. Le dernier. Le Hyper Dimension. Mais on n'a rien eu du tout, alors que vous aviez un marché énorme, quoi. Et alors, le pire, c'est que le premier Captain Tsubasa sorti sur Famicom, il a été adapté pour sortir en Occident. Il est sorti aux États-Unis et ah en oui Europe. Ah, tiens. Mais il y a un mec du marketing qui a eu une idée géniale. C'est, il s'est dit, on va prendre ce jeu-là, on va garder le gameplay. Par contre, on va supprimer toutes les références à Captain Tsubasa. Ah oui, donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle, alors, en Amérique, il est baptisé Tecmo Cup Soccer ah, Game. Ah, ouais, Tecmo. Et c'est Tecmo Cup Football Game en, ah oui, en Europe. Oh, les cons. Mais quel intérêt de faire ça? Bah, le jeu, enfin... C'est quand même un gameplay assez particulier, c'est pas réellement du temps réel, c'est un jeu qui offre un gameplay avec des menus affichés quand tu joues pour déclencher les actions, donc c'est à moitié un RPG au tour par tour, matinée de football, c'est pas forcément d'instinct ce que les joueurs européens vont rechercher, donc t'as vraiment l'argument de massue pour le vendre, et tu l'enlèves pour en faire un jeu lambda, donc j'ai pas compris quel génie du marketing a eu l'idée de faire ça chez Tecmo. Mais en tout cas, c'était pas l'idée du siècle. Hein, ça, c'est beau, ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc celui-là, plutôt... Alors, je vais le déblister en direct et le faire tuer en direct. Hein, pour... Alors... Fais attention, tu pourras avoir des gros problèmes. Il est plutôt pas mal. Je lui reprocherais juste, visuellement, c'est pas fou. Hein, de la DS, bon, bah, forcément, t'as de la 3D qui est relativement primaire dessus. Même si ça reste quand même correct. Et surtout, ce que je lui reprocherais, c'est qu'il est un petit peu frustrant, en ce sens que pour débloquer des choses, il t'oblige à suivre les événements du dessin animé et du manga. Elle est vraiment qualitative, la figurine. J'aime bien. Ce qui veut dire que si tu veux débloquer des choses et que, par exemple, tu mets une branlée à la taux, bah, tu vas être obligé de te prendre des pions et de mal jouer pour pouvoir débloquer tout ce qu'il y a à débloquer. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage et c'est pour ça que ce jeu-là, il m'a un peu frustré. Même si, au final, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Faut pas déconner non plus. Et on va dire que, étant donné que pendant 10 ans, ça a été le seul jeu Captain Tsubasa que tu pouvais avoir... toi et y jouer en bah France. Oui, parce que celui-là c'est 2019 le PS4 2020 2020 je crois. Ouais, ouais, plutôt 2020, ça me paraît plus récent. Ça a quand même mis du temps avant de débarquer bah oui, chez oui nous, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'adaptation comme ça d'animé qu'on n'a pas eu chez nous, bah il y a Sailor Moon aussi. Il y a Sailor Moon, on en a eu un sur Super NES. Il y en a un qui existe sur DS, mais il n'est jamais sorti officiellement en France. Et pour chercher, c'est juste sorti en Italie. Pour chercher dans le fin fond de l'underground, tu vas avoir une adaptation sur Playdia aussi. Ah oui, que oui, j'ai chez moi. Mais ah bon, oui, c'est pas vraiment du jeu vidéo, hein, c'est plus du dessin animé interactif. C'est très beau, mais bon, au niveau interaction, c'est un peu moyen. Mais oui, Sailor Moon, c'est pareil, ça aurait fait un tabac en France. Et même Saint Seiya, enfin, hein, il y en a eu un seul qui on est sorti en a eu un sur, peu plus, quand même. Sur NES. Bah, après... t'en as eu sur la génération 128, ouais, mais ouais, avant. Enfin, ceci dit, il n'y en a pas eu beaucoup au Japon non plus. Hein. Ça, c'est un cas un peu particulier. Et oui, on ouvre les jeux. Oui, parce que le monsieur joue à ses jeux. Hein. Oui, ça m'arrive. Il y a une de temps en temps, hein. Comme quoi. Ça arrive, c'est à peu près le 29 février. J'ai joué. Voilà. Hop. Donc ouais, le comment dire, le Sailor Moon sur DS, c'est pour le trouver en plus. Écoute, j'ai encore un DLC là. Je vais mettre tout ça dans le petit steelbook. On va faire les choses bien. Voilà. Et alors, donc celui sur DS, t'en as parlé. Celui sur PS4, bah, il a un peu plus fait parler de lui. Il est un peu plus grand public, quoi. Et il a pas eu des super critiques pour autant. Ouais, alors... Je vais te dire franchement, les critiques, quand je les ai lues, ça m'a tellement énervé que j'en ai fait 20 pages dans le bouquin. Ah ! C'est-à-dire, juste pour ce jeu-là... T'as défendu le jeu. J'ai défendu le jeu parce que je trouve que... Aller dire que ce jeu n'a pas un gameplay profond et que c'est juste de l'arcade et de l'amusement, c'est vraiment montrer que t'as une totale méconnaissance du jeu, en fait. C'est un peu le type de jeu à la Soul Calibur, tu vois. Tu joues tout de suite, tu vas tout de suite réussir à faire des choses rigolotes avec. Ah ben oui, mais c'est accessible. Mais alors, pour le maîtriser...
c'est t'as un système de jeu derrière qui est d'une complexité vraiment assez énorme. Déjà au niveau des dribbles, t'as un système de dribbles un peu en mode Shifumi, c'est-à-dire que tel dribble sera efficace contre telle défense et vice-versa. D'accord. Mais la différence avec le Shifumi, c'est que t'as des indices visuels à l'écran qui t'informent sur ce que va faire l'adversaire. D'accord. Donc c'est à Shifumi, toi de t'adapter derrière, mais tu peux aussi avoir des Shifumi feintes. Dans Alex Kidd, tu peux aussi savoir ce que l'adversaire y pense. Ah oui, bah après moi je suis pas un spécialiste d'Alex Kidd. Ouais. Non mais c'est toujours important de remettre une petite couche sur Alex Kidd. Oui, bah je pense qu'il n'y a pas une vidéo de GHM où il n'y a pas une couche de Alex Kidd. Et évidemment tu peux faire des feintes, c'est-à-dire, alors ça c'est surtout en... La console le fait pas trop, mais tu peux déclencher l'indice visuel qui va donner à ton adversaire à penser que tu vas faire tel dribble et derrière changer au dernier moment pour le surprendre. T'as aussi une énorme complexité dans tout ce qui est relation entre les différents joueurs sur le terrain, les différentes statistiques des attaques et des techniques que tu peux équiper à tes joueurs. T'as des pages entières de stats qui vont te créer des effets supplémentaires quand tu déclenches telle ou telle technique, qui vont être plus ou moins efficaces quand t'es dans une certaine zone du terrain. Par exemple, alors attends, comment il s'appelle en français pour que tu vois qui c'est, Hajime Taki. Ted Carter, le mec qui a une dent là. Ah oui, une dent. Voilà, une seule dent. Et ben lui, il va avoir un énorme boost de ses statistiques quand il va mordre la ligne de touche en dribblant. Ah d'accord. Ah oui, ils ont leurs caractéristiques chacun quoi. Et quand il va centrer par exemple, et ben il va offrir un boost au destinataire de la passe parce que bah tu vois, c'est sa spécialité. D'accord. Et c'est tous ces trucs là dont tu dois prendre que tu dois prendre en compte au moment de te dire, alors tout fonctionne avec un système de probabilité hein, au moment de marquer ou de dribbler, mais tout ça est vraiment pris en compte avec les différents niveaux de technique et l'affinité entre les différents joueurs que tu as sur le terrain, les frappes combinées évidemment si tu veux faire le twin shot entre Misaki et Ben Baker et Olivier. Ben Baker. Eh ben, il va falloir que tes deux joueurs soient dans la même zone du terrain avant que tu déclenches la frappe. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte et quand tu les maîtrises, eh ben, tu te rends compte oui, que le jeu, il est pas, c'est pas juste un jeu d'arcade, c'est un jeu une profondeur de gameplay. Il est accessible, énorme, mais pour celui qui veut creuser, il y a plus que ça derrière. Quoi. Exactement. Et enfin, qu'un jeu soit accessible, je vois pas pourquoi c'est pas un problème. Bah, c'est pas un problème. Quand tu donnes la possibilité aux joueurs d'aller chercher plus loin derrière, quel est le problème quoi. Et alors, le seul inconvénient de ce jeu-là, c'est que, au niveau du challenge en solo, je précise en solo, parce qu'on va parler du multi après, mais c'est pas la même chose, c'est faible, hein, c'est très très faible. Ah oui. Mode histoire, j'ai mis un screen dans le bouquin où je montre la finale Nankatsu Toho, où j'ai gagné 3-0 et où la Toho a juste fait deux frappes dans tout le match. Et là, je suis désolé, c'est un problème pour moi. Tu peux pas régler le niveau de difficulté, il est vraiment réglé automatiquement par la console. Et bah non, c'est des matchs qui doivent être disputés, ça. Donc quand c'est aussi facile que ça, oui, c'est un vrai problème de fidélité. Et au final, tu t'amuses pas forcément beaucoup, quoi. Ah si, c'est celui-là. Ouais, mais non, c'est plutôt vers la fin, je crois. Oui, j'ai vraiment fait 20 pages dessus. Hein. Ah oui. Parce que ça me paraissait important de vraiment le creuser pour expliquer à quel point ce jeu-là était intéressant et à quel point le bâcher en disant qu'il n'était pas assez profond, c'était juste que tu connaissais pas le jeu, en fait, hein, tout simplement. Bah, de toute façon, les tests qui sont faits sur Internet par des soi-disant journalistes, ouais, d'accord. Bah, regarde les stats, quoi. Est-ce que ça te paraît fidèle à ce que tu as vu dans Tir 18 contre 2. Ouais, c'est quand même assez abusé, quoi. Voilà. Et ça, c'est un screen que j'ai fait moi-même, hein, donc c'est pas juste un mec ultra fort ou un développeur qui a mis ça sur Internet. Hein. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien, c'est du fait maison. Et alors, ce jeu, donc, il a un excellent suivi, en plus, de la part, 19. De la part des développeurs. Mais quelque chose vraiment d'assez intéressant, c'est que t'as du contenu gratuit qui est rajouté. Ah, d'accord. Régulièrement et pas du petit contenu gratuit. Alors pour dire le mode solo comment il se présente, c'est tu vas avoir la possibilité de jouer tout le championnat national des collèges, donc le deuxième arc du dessin animé, où Mark Landers et Alato, etc. Thomas Price est parti en Allemagne. Merci de faire les. Bah, j'essaie de traduire, c'est compliqué.
Donc t'as la possibilité de jouer ça donc avec en incarnant Tsubasa et la Nankatsu, et derrière ils opèrent une scission, c'est-à-dire que normalement si tu regardes le manga ça enchaîne sur le tournoi de Paris, donc c'est un tournoi international où, qui se passe à Paris évidemment. Fatalement. Où t'as le Japon qui affronte des grosses équipes comme l'Allemagne, l'Argentine. Et voilà, c'est un arc assez intéressant qui n'a pas été adapté dans le dessin animé d'ailleurs. D'accord. Qui a été adapté dans une série d'OAV qui s'appelle Shin Captain Tsubasa. Et qui est vraiment kiffant, hein, puisque là tu rencontres des personnages vraiment très très intéressants dans les autres pays. Tu as Karl-Heinz Schneider, l'Allemand qui est partenaire de Genzo, de Thomas Price, encore une fois. À Hambourg et qui te fait un tir tellement puissant que le ballon il sent le cramer à cause du frottement, enfin tu vois les trucs à la Captain Tsubasa. Ah oui. Et donc suite à le postulat de départ du mode nouveau héros donc qui est intégré dans ce jeu là, c'est que ce tournoi de Paris a été boycotté par les équipes qui n'y étaient pas invitées. Du coup, il n'a pas eu lieu et t'as un riche héritier américain qui veut développer et investir dans le football qui a organisé un autre tournoi où du coup, bah, c'est l'occasion de... Ah, il se fait sa Super League. Voilà, il se fait sa Super League en gros. Et c'était avant la Super League. Encore une fois, visionnaire. Et l'intérêt de ce parti pris scénaristique, bah, c'est déjà de pouvoir inclure des équipes comme le Brésil qui n'était pas à la base dans le tournoi de Paris. Ben, oui, avec des gros joueurs dedans. Et ce mode de jeu-là, tu peux le jouer en créant ton propre personnage. Donc tu peux mettre Axel qui va venir... Il va tout éclater, Axel. Ah bah ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Tu peux le mettre gardien de but, hein, si tu veux. Non. Non. Et c'est... Alors, t'as un premier sous-arc, entre guillemets, où c'est un peu une redite du tournoi national, où c'est des épreuves de sélection pour déterminer quels joueurs iront défendre les couleurs du Japon. Ouais. Et ensuite, t'as vraiment le tournoi en lui-même qui se déroule aux États-Unis avec le Japon, toujours jouable avec ton propre joueur. Ah, c'est bien ça. Et je reviens au contenu gratuit, c'est qu'à la base, tu peux jouer ce mode de jeu-là avec... alors, je crois que c'est avec la Toho et la Musashi. Donc, Musashi FC, c'est l'équipe de Julien Dross. Mmh. Et celui par qui a la un suite, problème au cœur. Voilà, celui qui a un problème au cœur. Et par la suite, ils t'ont rajouté des nouvelles équipes avec lesquelles tu pouvais jouer tout ce mode de jeu. D'accord. Et gratuitement. C'est cool ça. Alors ça change aussi pas mal de choses, hein, puisque bah, l'histoire est différente. Tu découvres des nouveaux personnages, tu découvres un peu l'envers du décor, puisque c'est des équipes que tu connaissais pas forcément beaucoup à l'époque où tu regardais des dessins animés, qui étaient juste survolés. Et oui, c'est vraiment intéressant d'avoir ces ajouts qui arrivent régulièrement. Et d'ailleurs, je crois même qu'ils en ont encore rajouté par la suite, que j'ai pas eu le temps de mettre dans le bouquin, puisque c'est vraiment bien tenu à jour au fil du temps. Hein. Et tu parlais du multiplayer aussi, le multiplayer. Oui, alors le multiplayer, c'est un petit peu le mode fut dans FIFA, mais attention, je t'arrête en version où tu peux pas les joueurs, c'est-à-dire que t'as rien à débourser d'argent réel. Il n'y a pas de microtransactions. Pas de microtransactions du tout. Peut-être, je suis même pas sûr, hein, mais si c'est des microtransactions, c'est vraiment pour acheter des trucs cosmétiques qui servent à rien, des trucs comme ça. Où tu construis ton équipe, t'as un nombre de points qui t'est attribué en fonction de la division dans laquelle tu joues. Mm-hmm. Tu construis ton équipe avec les différents joueurs en fonction de ça, et en ne dépassant pas la limite, évidemment. Et ensuite, tu vas affronter d'autres joueurs humains. Alors, quand tu gagnes, tu gagnes des points et ça te permet de monter des divisions, ce qui augmente ton total de points maximum, donc tu te permets de renforcer ton équipe. Et quand tu perds, tu perds des points et du coup tu perds de division également. Ah oui, d'accord. Et là où je disais, où je faisais une petite opposition entre le challenge du mode solo et le challenge du mode multijoueur, c'est que là, t'as beau avoir roulé et avoir vraiment exploré le gameplay à fond dans le mode solo, t'arrives en multijoueur, tu passes quelques divisions, tu te fais défoncer, mais alors méchamment. Hein. Il y a des mecs là qui... C'est toujours pareil sur les jeux en ligne. Mais là, il y a des mecs sur Internet, c'est un truc de fou. Oui. Des machines. Ouais, vraiment des machines. Quoi. Et parce que les mecs, ils jouent qu'à ça. Et c'est sur tous les jeux, t'as ça sur FIFA, t'as ça sur les FPS, les Call of Duty, sur Tetris 99. T'as des brutes, sur quoi. Bubble. Bah oui, mais t'as des brutes sur tout, quoi. Voilà, de toute façon, quel que soit le jeu que tu joues en multi, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Mmh. Toujours. Toujours. Mais là, il y en a quand même beaucoup de plus forts que toi. Ah bah là, là-dessus encore plus. Ouais. Non, c'est vraiment, ça te donne une petite leçon d'humilité quand tu te dis, j'ai vraiment bien bossé le gameplay, mais en fait, tu te rends compte que les mecs,
qui jouent contre toi en ligne, oui, le gameplay, ils le connaissent par cœur aussi, et même peut-être mieux que toi. Alors, le gameplay, t'as pas besoin de le connaître par cœur pour jouer en solo, parce que, comme je t'ai dit, au niveau de challenge, c'est pas ouais. non plus au top top. Ouais, par contre, si tu veux jouer en ligne, c'est obligatoire c'est assisté, quoi. Ouais. Mais en ligne, t'as C'est lui, pas Julien Ross. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Julien Ross, monsieur qui a des problèmes de cœur. Pas parce qu'il est amoureux. Alias Jun Misugi. Un vrai problème de cœur. Oui, c'est ça. Bravo, monsieur. Bah, évidemment. Que dire de plus sur Captain Tsubasa ? On a balayé large. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux évoquer ? Bah, déjà, alors, ça n'a pas grand-chose à voir, mais souvenir. Parce que ma première vidéo sur GHM, si vous vous souvenez. Tu l'annonçais. Tu parlais de Captain Tsubasa avec Greg. C'est voilà, oui. Exactement. Et en fait, c'est tout con, mais à l'époque, j'étais en train d'écrire ce bouquin-là. Ah, et oui, quand on devait parler, c'était une vidéo qui traitait d'exclusivité Super Famicom. Et je me suis dit, bah tiens, tant que j'y suis, c'est frais dans ma tête, donc je vais inclure mon petit Captain Tsubasa. Je crois que c'était le 3 dont j'avais parlé. Eh ben, on va parler de celui-là, en tant qu'à faire. D'autant que c'est des jeux au gameplay vraiment atypique qui sont vraiment intéressants à aborder, puisque c'est pas du tout du jeu de foot habituel. Et la vidéo est toujours en ligne. Toujours en Donc, ligne. Donc il n'y a aucune raison. Enfin, on n'a pas enlevé les vidéos, hein, parce que nos anciens acolytes sont partis, les vidéos sont toujours là, donc si vous voulez regarder, faut surtout pas vous en priver. D'autant qu'on a parlé de quelques petites perles sur de Super. C'était dans quelle rubrique C'était bonne question. Il ne se souvient pas. C'était ma première vidéo. Vous allez dans la playlist. Pas fait le montage. Vous allez dans la playlist Manu et vous la retrouverez. Il y a une playlist Manu normalement et vous pouvez retrouver toutes les vidéos qui le concernent. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ah oui. Alors. Au niveau des difficultés... J'aime bien la mise en page, c'est joli. Hein. au niveau des difficultés, puisqu'on en a parlé... Ah, pour l'écriture du bouquin, tu veux dire voilà. Alors là, il y a une difficulté quand même assez importante, c'est que tout est en japonais. Oui. Mon cher monsieur. Ouais. Donc tout étant en japonais, jouer au jeu, c'est pas forcément toujours évident. Alors les jeux classiques, Captain Tsubasa, au final... T'as pas beaucoup besoin de comprendre ce qu'il y a dans les menus, faut juste que t'apprennes les différents choix que tu peux avoir dans le menu qui s'affiche. Il y en a un sur Mega CD, je sais pas. Ouais, il y en a un sur le seul qui est sorti sur une console Sega. D'ailleurs, Tecmo Cup Football Club là était prévu pour Mega Drive, mais au final il a été annulé. Mais tu peux trouver la. Justement ici. Ouais. Tu peux trouver la ROM facilement sur internet pour y jouer. Ah oui, c'est un unrelease. Voilà. D'accord. Donc, difficile quand t'as que des jeux en japonais. La plupart, ça passait. D'autant qu'il y en a certains, notamment, je pense à l'opus PS2, où t'avais la possibilité derrière d'avoir des traductions des menus sur Internet que tu trouvais assez ouais. facilement. Ouais, puis à la limite, je pense qu'il y a même eu des versions patchées qui ont dû traîner. Tu dois pouvoir la graver et puis la passer dans ta console, quoi. Ouais, alors là, j'ai fait les captures en émulation, mais ouais. Bon, ça devait passer aussi. Je suis pas certain que t'aies eu des versions patchées. Il y avait des versions patchées pour tout quand on jouait sur PS2. Sur les jeux. Sur Super Nintendo, enfin sur Super Famicom ouais. et Famicom, là t'as eu des versions patchées, ouais. pas totalement, donc il y en a D'accord. certaines où ça avait des traductions un peu bizarres, mais je suis pas certain pour la version PS2. Hein. Okay. Par contre, la grosse difficulté, ça a été la version GameCube. Parce que il y a un jeu sur GameCube. Ouais, en fait, c'est un mélange entre jeu de foot traditionnel version Captain Tsubasa et Visual Novel. Donc en gros, il faut que tu fasses progresser ton joueur en le programmant des entraînements, en gérant des événements aléatoires qui arrivent. T'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues qu'il faut que tu comprennes. Tout est en japonais et t'as zéro aide. Tu peux aller sur GameFAQs, tu vas rien avoir. Ah ouais, bah parce que c'est underground, il y a personne c'est qui y a C'est très underground, ouais. Captain Tsubasa Ugon Sedai no Shusen. À tes souhaits. C'est la version GameCube. Et alors, pour te dire comment je me suis débrouillé quand même pour pouvoir traiter de ce jeu-là, Patrice de Côté Gamers, il lit le japonais correctement. Ah. Je faisais des screens de tous les écrans du jeu. Et tu lui envoyais. Je lui envoyais par mail avec des numéros que je mettais sous Paint sur les différents trucs de texte. Ah, et lui, il me renvoyait un fichier texte avec les traductions à côté. Ah, le truc à l'arrache. Et je peux te dire que putain, il y en avait des écrans de texte là-dessus. Donc ah ouais. Bah ouais, c'était la seule solution qu'on avait trouvée pour. Bah c'est ouais, mais c'est beau. C'est beau, c'est du fait maison. Là, il faut y aller au mental. Hein, c'est vraiment du fait maison. Très bien.
Voilà. Bah écoute, si voilà, t'as on d'autres a questions. parlé, on a parlé du manga, enfin de l'anime, on a parlé des jeux vidéo, t'as parlé des à côté avec les one shot, etc. Peut-être qu'on peut parler un peu très rapidement du merchandising autour, même si t'en avais un peu parlé avec le, on a un peu parlé avec le collector, tout ça. Il y a eu beaucoup de figurines qui sont sorties. Enfin là, on a celle-là, mais il doit pas y en avoir tant que ça. En fait, c'est moins. Je suis pas très informé là-dessus. Je ne saurais pas trop te Ouais. dire. Il faut savoir que tu as un magazine Captain Tsubasa officiel qui sort au Japon maintenant. D'ailleurs, c'est dedans que sont publiés Ah les d'accord. derniers chapitres, hein. C'est plus dans le Shonen Jump, hein, Ah maintenant. oui C'est d'accord. vraiment dans un magazine Ah bah ouais, dédié. c'est intéressant ça. Et où tu as pas mal d'interviews de joueurs véritables japonais, des interviews fictives des joueurs de Captain Tsubasa aussi. Enfin, pas mal de choses. J'en parle d'ailleurs dans le D'accord. bouquin de ces différents numéros. Et tu as des petits goodies qui sont donnés avec en général. Mais non, te parler des goodies plus généralement, je suis pas très très Bah bien informé, c'est tu vois. déjà étonnant qu'ils l'aient fait chez Celio quoi. Ils ont sorti une série, c'est pour ça que ça n'a pas du tout fonctionné, qu'ils ont fini par les brader. Mais ouais, c'est pas. Enfin, Bah, autant d'instinct, tu te dis Olive que c'est Tom, pas ça. spécialement le public. Bah ouais, c'est compliqué quoi. Enfin, c'est une série qui a bercé notre jeunesse, mais pour autant, elle est beaucoup moins. Elle a une aura beaucoup moins élevée que peut l'avoir un Saint-Seiya. Même Saint-Seiya d'ailleurs. Même Saint-Seiya comparé à Dragon Ball. Bah, je pense que on part de zéro, t'as Olive et Tom qui est là, t'as Saint Seiya qui est là, puis t'as Dragon Ball qui est là, quoi. Bah, c'est à peu près ça. C'est J'irais des peut-être séries qui pas sont à pas ce très point-là connues. quand même, hein. Olivier Tom, en France, c'est quand même ultra connu, c'est Oui, la c'est connu, génération Club Do, mais donc. pour autant, le merchandising autour a pas été spécialement développé. Ouais. Enfin, tu vois, Certainement beaucoup moins bah que Dragon voilà, Ball, ça c'est sûr. Ouais. infiniment moins, quoi. Infiniment moins. Enfin, c'est. Donc tu vois qu'ils aient sorti Ou une que édition. Senseiya, Bah oui. Ouais, mais c'est des versions on a la japonaises, tout vue ça. Hein. dessus. C'est Ouais. des versions japonaises, donc en France, on n'a pas eu grand-chose. Et c'est pour ça que c'était étonnant qu'ils sortent l'édition collector en France. Quand j'ai vu ça, je fais, ah bah, je peux pas passer à côté, quoi. Bon, au final, elle a été bradée avant que je n'ouvre la mienne, puisque j'ai ouvert aujourd'hui. C'est pas grave, Oui, c'est mais t'as comme ça. soutenu. J'ai soutenu, Et j'ai puis je te soutenu. dis ce qu'ils font avec ces mises à jour régulières qu'ils offrent gratuitement. Enfin, ça mérite vraiment d'être souligné parce que c'est pas fréquent aujourd'hui. On parlait dans la FAQ des pratiques que les entreprises pourraient faire pour être encore plus détestables. Ouais, bah Bah ouais. là, ça va dans le bon sens. Et Alors pourtant, c'est c'est bien du de le Namco souligner Bandai, aussi. quoi. Ouais, pourtant, hein, c'est pas toujours le C'est cas. pas les mieux. Enfin, Bandai, d'ailleurs, les collectors, ils les font multilingues, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Tu peux l'acheter n'importe où en Europe. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque Et quand ils c'est font. bradé quelque part. Ouais. Oui. Mais par contre, ils en font pas beaucoup en quantité. Donc, leurs collectors, en général, si tu les achètes pas à la sortie, là, c'est une exception, celui-là. Mais surtout, les Tales of. Ah bah quand il y a un collector qui s'offre, C'est bah fini faut au tu bout de trois l'achètes à la mois, quoi. sortie, sinon c'est mort, hein. C'est fini. Bon voilà, on commence encore à se disperser, à partir sur d'autres sujets. Petitement, hein, On quand même. est déjà, oui, on vient de dépasser l'heure, donc je On pense est que dans les jalons c'est habituels, un hein. bon, c'est un bon quota, 1 heure sur Captain Tsubasa. On espère que ça vous aura plu pendant que je fais la petite conclusion. S'il y a des choses qui te viennent, t'hésite pas. Donc on rappelle que le bouquin qui est là. Il est encore disponible aux éditions Côté Gamers. Voilà, c'est pas édité à des milliards d'exemplaires, hein. Faut le rappeler ça. Côté Gamers, c'est pas Pixel Love, c'est pas Third, c'est pas Geeks Line, c'est pas tous ces trucs-là. C'est édité à vraiment des très faibles quantités, c'est quelques dizaines d'exemplaires, si je dis C'est pas de ça. bêtises. On parle même pas en centaines, hein. Donc Ah bah voilà, c'est du collector, hein, c'est ça. du ultra collector. Donc si vous voulez contribuer à faire fonctionner cette petite maison d'édition, bah, vous pouvez aller donc sur le site de Côté Gamers et acquérir ce bouquin et voir tous les autres bouquins qu'il y a, parce que bah, mine de rien, Il y a un l'offre est sacré grande. catalogue, ouais, Et chez eux. il y a aussi ils ont fait pas mal de choses sur les homebrew. Il y a plein de jeux qui ont été édités sur des consoles un petit peu bon underground, donc moi ça m'intéresse pas trop, La mais ouais, sur ColecoVision, il y a ColecoVision. notamment un gros travail fait sur la ColecoVision. Ils Ouais. ont créé un club ColecoVision, Ouais. justement, et beaucoup de productions qui sortent Il y a plein et de de choses, contenu ouais. autour de ça. Ouais. Alors pour les plus anciens, je pense, parce que la ColecoVision, ça parle pas à grand monde. Pour les plus anciens, bah, ça peut vous intéresser. Donc voilà, vous pourrez découvrir tout ça sur le site de Côté Gamers. Mais sinon, il y a des bouquins, bah, on vous en a présenté. Qu'est-ce que j'ai reçu les derniers? Bah, c'était les Flashback, les LucasArts, le Olivier. Génération NES aussi. Oui, Génération NES. Puis il y avait des grands formats. Bah, le Génération NES, c'est un grand Génération format. NES, ouais, c'est C'est du ça. A4. Ils ont fait. Et t'avais Twin Dragons Oui, aussi c'est dedans, je ça. Ils ont crois. fait l'artbook officiel de Twin Dragons. Donc ça, c'est les seuls à le proposer. Donc Alors c'est pas c'est. un artbook, hein, Non, oui, enfin c'est un guide. c'est C'est un vraiment guide un guide, officiel. ouais. Un guide, mais moi je parle d'artbook parce que t'as aussi plein d'artwork Oui, c'est dedans, quoi. vrai.
Et donc c'est le guide officiel de Twin Dragons, qui était un jeu sorti sur NES il y a peu. On a aussi une vidéo sur la chaîne où on vous le présente, d'ailleurs. Sorti en physique, hein, en plus. Oui, d'ailleurs, je crois que j'avais pu en faire gagner un, si je me souviens bien. On avait fait un petit partenariat avec le concepteur, parce que c'est des Français, Twin Dragons, hein. Et bon, voilà. On est encore en train de s'étaler. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer dans les commentaires avec tout ce que vous pourrez nous raconter sur votre expérience avec Captain Tsubasa. Peut-être que vous connaissez les jeux, peut-être que vous suivez la série, tout ça. On lira ça avec évidemment beaucoup d'attention, comme d'habitude. Et puis, si tu n'as rien à ajouter sur le sujet... Le prochain bouquin, c'est vrai. Annoncé, oui, en exclusivité, parce, oui, que ça a été demandé, en, ah, plus. Oui. Ça a été demandé dans la dernière... dans la fac. Exactement, ouais. Donc alors, mais je sais même pas, alors moi je vais l'apprendre. Ah, c'est... Bon, après, en ça même temps, vous, pas, mais non. Alors, je suis pas certain que ça sera un sujet qui t'intéressera beaucoup, toi. Ah. Et... Merde. Peut-être pas beaucoup vous non plus, mais bon. Alors, c'est un sujet qui tient à cœur. C'est un jeu... Enfin, c'est un jeu. C'est un sujet sur une entreprise dont j'ai évoqué un des jeux dans la deuxième partie de la vidéo FAQ. Donc maintenant, tu vas regarder toute la vidéo, ouais, pour essayer de deviner. La flemme. De sang froid. On, ah, de sang froid, oui, carrément, oui. C'est fait par qui, ça? Oh là là, Cryo? Non. Non, c'est pas Cryo? Mm-mm. Oh putain, bah alors... Alors attends, je te donne un indice. Tu peux. Le clown. Le clown. Le clown. Ouais, ça me dit rien. Non, ça te dit rien? Ça m'aide pas. Ah non, là, quand même. Ah faut rattraper, là. C'est une référence à quoi? À un jeu. J'ai pas la ref. Le clown. Si je te dis Georges et Nico. Ça me dit rien. Oh, du tout. Ouais, bon, bah là, le clown, tu pouvais pas l'avoir. Bah non. Si je te dis les chevaliers de Baphomet. Ah, les chevaliers de Baphomet. Alors, donc, c'est... les pieds, ah, dans, oui, le plat. Les chevaliers de Baphomet. Alors, qui a fait ça? Bah, je sais plus. Revolution Software. Ah ouais, Revolution, ok. Voilà, et ben j'ai eu envie de parler de cette entreprise-là, donc le prochain bouquin chez Côté Gamers sera sur l'entreprise Revolution Software. Donc ils ont fait quoi d'autre à part De Sang Froid et puis les... Ah, ils ont fait... Les Chevaliers de Baphomet. Alors, beaucoup les Chevaliers de Baphomet, beaucoup de jeux micro aussi, c'est pour ça que c'est je disais que ça t'intéresse. C'est eux qui sont occupés du 5, là, qui est sorti il y a quelques années, oui, sur... sur un Kickstarter, d'ailleurs, ils l'ont Kickstarté, ah, oui, celui-là. Ils ont fait également Beness Steel Sky et sa suite Beyond the Steel Sky, donc le collector sorti chez dont on parlait tout à l'heure. Le fameux collector qui est arrivé en bouse. Voilà. Deux fois. Deux fois. Qui est un très bon jeu d'ailleurs. Alors Beness Steel Sky, c'est du point and click 2D, donc là il faut aimer le point and click 2D pour l'apprécier. Par contre, le Beyond the Steel Sky, c'est un gameplay un peu plus classique, ça reste du jeu d'aventure, mais ouais, c'est de la 3D. C'est de la 3D, quoi. Donc, Je prévois de le prendre, celui-là, mais j'attends que ça baisse. Ouais, en collector ou... Non, juste... bah, l'édition Steelbook, là, c'est déjà très bien. Ouais, d'ailleurs... Ouais. Bah, le collector a l'air sympa, c'est vrai que t'as un truc dedans qui fait un peu holographique, là. Une lampe, ouais. Et ouais, ça a l'air sympa, mais bon, bah, faut que tu vois le prix, c'est 150 balles, quoi. Bah, faut... Moi, je pense me le reprendre quand il aura baissé, mais ouais. Franchement, pour la moitié prix, je serais prêt à accepter que mon collector soit un bah peu que déchiré. À l'intérieur dans la boîte ce soit mais bien, pour ouais. 150 balles non, non ça fait chier, c'est trop quoi. Donc Revolution Software, c'est une entreprise qui a une grosse vraiment une grosse histoire et une histoire vraiment intéressante que j'ai découverte à la base. Bah, comme d'habitude, hein, je voulais juste faire un dossier sur la saga Broken Sword. Après je me suis rendu compte que Beneath Steel Sky, putain c'est dur à dire, surtout après une heure de vidéo je me suis rendu compte que c'était la même boîte, donc ensuite j'ai découvert certains autres de leurs jeux, et je me suis dit, bah ouais, c'est une entreprise intéressante, surtout quand tu t'intéresses à son histoire. Il y avait des trucs intéressants à dire, donc ça sera pas en deux tomes, hein, y a quand même moins de, ah bah oui, de matière que LucasArts. Ce qui m'a permis aussi. Ça va pas t'empêcher de faire 400 pages. Il fera peut-être pas 400, mais il fera plus de 300, ça ouais, c'est sûr. Voilà. Ça m'a permis de m'étaler un petit peu plus sur certains aspects, notamment sur pour raconter les histoires des jeux en détail, qui sont plutôt cool en règle générale. Et pour m'étaler sur des aspects et faire des articles vraiment très très longs pour chaque jeu, beaucoup plus longs que ce que tu trouves dans LucasArts, ou si j'avais fait la même taille d'article pour chaque jeu, ça aurait été une même plus. Ouais. Voilà. D'accord, donc Broken Sword, puisque tu as cité Broken Sword, c'est les Chevaliers de Baphomet, c'est le nom. J'ai dit Broken Sword. T'as dit Broken Sword. Ouais, non, bah, c'est, oui, ouais, Chevaliers de Baphomet, effectivement. Tout le monde ne connaît pas forcément, donc je me permets cette petite précision. Donc je sais pas si on peut parler de niche pour ces jeux-là, si, mais... Si, clairement.
Mais en tout cas, de sang-froid, tu vois, je pense oui, de sang-froid, je suis d'accord. On n'est pas beaucoup à le connaître. Les Chevaliers de la Fomette, hein. T'as quand même ouais, une fanbase assez importante. Oui, oui, bah, c'était très, très à la mode à la fin des années 90. Moi, je sais que quand je m'étais acheté mon PC en 97, bah, j'avais les Chevaliers de la Fomette avec, quoi. Mmh. C'était, bah, c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise. Voilà. J'avais un pote qui me l'avait vendu pour 20 francs à l'époque. Mmh. Je venais derrière mon PC aussi, mon premier PC. Et bah, tu te prends une claque, quoi. Enfin, le truc, au niveau visuel, c'est du dessin animé. Ah bah oui, oui, c'est un vrai dessin animé. Enfin, pour l'époque, maintenant, Hero Jeu, maintenant, je pense qu'on a fait mieux depuis. Mmh. Mais ça restait très propre. Et puis, c'est français. Enfin, c'est français, quoi. Revolution Software, c'est pas français. Non, mais les Chevaliers de Baphomet, c'est pas français. Alors, ça se passe en France. Ah, mais c'est, oui, c'est ça. Mais ouais, le studio est anglais. Hein. Alors, voilà, j'aurais dit une connerie, c'est ni la première ni la dernière. Non, mais c'était le fait que ça se passe en France qui m'a enduit derrière. T'as un gros attachement à la France de la part de Charles Cécile, le créateur justement du studio. En plus, il s'appelle Charles Cécile. Sans E à la fin. Ah, d'accord. T'as un gros attachement à la France et en fait, il explique à un moment, j'ai d'ailleurs mis ça dans le livre, que à une époque où l'Angleterre, c'était vraiment la crise, tu vois, dans les années Thatcher, il était venu en voyage à Paris et tout avait l'air raffiné. Alors, il a une vision très fantasmée de Paris. Très avec les œillères. Et surtout une vision d'il y a quelques dizaines d'années. Mais du coup, ça l'avait vraiment enthousiasmé de faire un jeu vidéo sur qui se passera en France. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé avec toute l'aventure qui se déroulait dans l'Hexagone. Enfin, pas toute l'aventure. George Tobart, c'est ça ? George Tobart, ouais. Oh ouais, c'est Nicole Collard. Ouais, comme ça remonte le niveau de la comédie. C'est pour ça le clown, tu vois. Enfin, ça, c'est des trucs que tu retiens quand même. Ah ouais, non, ça m'a pas marqué plus que ça, mais... Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Chevalier de Baphomet. Avec cette superbe VF qui est quand même assez magnifique. D'ailleurs, c'est Emmanuel Curtil qui joue George Tobart. D'accord. Emmanuel Curtil qui fait. Qui est une voix forcément que tu connais. Il fait sans notamment Chandler dans Friends, tu vois. Par exemple. Ouais, bon, je vois à peu près. Pour prendre du connu. Et donc, comment tu dis le deuxième épisode qui s'appelle. D'ailleurs, anecdote. Et on terminera là-dessus. Le deuxième épisode qui s'appelle Les Boucliers de... De Quetzalcoatl. Ouais, c'est Quetzalcoatl, alors a priori... Ah, tu vas me parler... Je sens que ça va parler orthographe, là. Oui, ça va parler orthographe, parce qu'il y a une faute... Sur la version PlayStation. Sur la tranche de la version PlayStation, où c'est marqué Les Boucliers. C'est ça. Les Boucliers. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas que sur la tranche, c'est à l'arrière de la boîte. T'as aussi peut-être, mais sur la tranche, tu vois que ça, quoi. Hein, c'est... Alors qu'il n'y a pas de faute sur Quetzalcoatl, qui est quand même autrement plus difficile à écrire. Tu le places au Scrabble, celui-là, c'est pas mal, ça. Bon, voilà, je pense que c'est bien de terminer là-dessus. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme d'habitude, on attend vos commentaires. Et puis, on se retrouve très prochainement, peut-être pour parler de ce bouquin sur Revolution Software. Et puis, tout un tas d'autres choses qu'on n'a pas encore tournées. Il y a des projets. Il y a plein de choses. Vous pouvez évidemment retourner jouer à la console. Ciao! Salut!